Allez, bonjour à tous, vous êtes bien sur Cocorie et pas plus fort, et je vous retrouve aujourd'hui pour un live de gameplay, et cette fois-ci, vous avez décidé que ce serait sur Enter the Gungeon, donc un jeu qu'on avait découvert il y a pas mal de temps. On avait fait quelques lives dessus depuis, mais ça fait un petit moment voilà, que j'y ai pas joué, donc on va essayer de se remettre un petit peu de reprendre le jeu en main, sachant que je sais même pas si je suis arrivé à... J'ai dû arriver à l'étage 3, mais jamais le finir, je crois. Donc on va voir si on arrive à faire mieux après avoir lâché le jeu quelque temps. J'en doute un peu, mais bon, on va essayer de faire notre mieux. Aujourd'hui, donc, on est le dimanche 26, ce qui veut dire que ma data est renouvelée le lendemain. Donc, on va finir la data. Ce qui fait que, bah, déjà, je suis pas sûr de pouvoir faire 2 heures de stream aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, le stream risque de couper inopinément. Donc ce que je ferais, c'est qu'on va jouer à peu près 1 heure, finir la run éventuellement, et je conclurai le stream avant d'entamer une dernière run qu'on verra pas forcément en entier. Voilà. Donc on va tout de suite lancer le jeu. Voilà, enfin on va lancer le jeu, on va lancer la partie. On va passer en plein écran. Je sais plus, donc il y a 4 persos, c'est ça? Je sais pas lequel choisir, donc je pense qu'au pire on va lancer un dé. On verra bien sûr quand on tombe, parce qu'il n'y a pas de choix aléatoire, il me semble. Je suis obligé de sélectionner un joueur, bah, ça sera le troisième, hein, 2-3. Ça sera la condamnée. Et après, bon, pire, on fera dans le sens d'exécuter une montre si j'ai le temps d'en jouer autant. Ça, je crois que c'est pour la coop, il faut que je passe en QWERTY, voilà. Mystique, où est-ce que je peux la jouer? Ah non, comment c'est coop? Non. C'est vraiment un perso dédié à la coop. Alors, je vois que j'ai 3 de pognon, je sais pas si je peux acheter quelque chose avec ça, on va aller voir vite fait. Ah, je veux dire, est-ce que c'est normal de pas voir les prix? C'est parce qu'il faut que je sois à côté. Oui, le lance-roquette. Le laser réglementaire, on pourrait éventuellement rechercher ça. Le plomb chaud. Bon, on va aller voir ce que c'est ce laser. On va l'acheter. Nouvel élément débloqué. Est-ce que je peux le voir en détail? À rejoindre le bagarre, le flasher. Le laser réglementaire. Ah, est-ce qu'on va le trouver là-dedans? Sans trop de mal. Est-ce que je vais le reconnaître? C'est pas celle-là. On avait le flasher, voilà. Flash Ordon. Au lieu de Flash Gordon. La fidèle arme de poing de tout héros voyageant dans l'espace, avec son design stylé et ses performances très satisfaisantes, ce blaster peut être porté en toutes circonstances. Et du coup, est-ce que je vais retrouver l'autre? Non, ça c'est pas lui. Le boule de neigeur. Je ne trouve pas. Bon, tant pis, on aura bien l'occasion de le recroiser. Ou peut-être que tant que je l'ai pas eu dans le donjon, bah sinon ça aurait pas mis que ça avait rejoint. Je ne sais pas. Salut Mathieu, comment ça va? Bon, ce n'est pas grave. Je sais pas si je le vois en remontant, mais j'ai pas l'impression. Bon, ce n'est point grave. Eh bien, nous allons attaquer tout de suite. J'aurais moult choses à vous dire, je pense, mais je le ferai quand je ferai les petits allers-retours où il ne se passe pas grand-chose. Alors, je sais pas si on va bien voir mes armes, vu que je suis au même endroit que les comptes de munitions, mais après, est-ce important de savoir combien de balles il me reste dans mon arme? Vous me dites. Alors, que je me souvienne. On tire avec le clic gauche, avec le clic droit. Et... Ah non, j'ai pas mis un autre clic souris. Bon, avec le clic droit, très bien. On peut faire des esquives. Avec R, je dois pouvoir recharger. On peut pas faire des rechargements rapides, je crois. Ça va, tranquille. Avec ça, je change d'arme. J'ai un cocktail Molotov que je dois pouvoir lancer avec espace. C'est ça. Et après, ça se recharge. Ok, très bien. Eh bien, allons-y. Oui, c'est l'angoisse parce qu'ils se divisent. Le petit slime. Ne sois pas choqué, Mathieu, ce sont des choses normales dans ce jeu.
On défonce des slimes. Faire des allers-retours, comment ça? Est-ce qu'une métaphore sexuelle? Absolument pas. C'est l'action de revenir dans un point qu'on avait déjà exploré. Ok, avec tab, j'ai la carte et éventuellement je peux me re-TP au point. Ça, je sais pas trop ce que c'est cette photo en bas. Si elle a une quelconque signification. Est-ce qu'on irait pas quand même au petit gun pour économiser nos balles? Putain. Ah, il y a un trou. Faites-moi partir, merci. On recharge. Voilà, tant qu'on a qu'une arme, on va essayer de se battre au pistolet. Ah, par contre, il n'y a pas beaucoup de balles dedans. Il doit y en avoir 5 à tout péter. Ok. Il faut que je regarde s'il y a des... J'avais pas mis un autre clic souris. Je vais voir vite fait. Commande. Modifier config clavier. Roulette d'esquive, touche alternative. Bouton 5, parfait. Ça me fait deux possibilités. Tir, interagir, recharger. Est-ce que le clic central, il affecte à quelque chose? J'ai pas l'impression. Je sais pas si j'y penserai, si j'y arriverai mieux. C'est pas gentil, tuer les slimes sont nos amis. J'y peux rien, c'est eux qui m'attaquent. On va confirmer les modifs. Alors je peux esquiver comme ça et recharger comme ça. Ok. Parce que le E, à quoi il sert concrètement? Ce serait plus proche que le R au final. Là, ça doit être interagir, je crois. Le... C'est ça. Ok. Un coffre, j'ai une clé. Il a l'air assez gros, ce coffre. Peut-être qu'il y a quelque chose de bien dedans. Qu'est-ce que c'est? Magnétite riche. C'est dément. Par contre, ça remplace mon molotov. Ça s'utilise, du coup? Ok, il y a un temps d'utilisation. Ok, ça fait quoi? Ça fait juste attirer le pognon? Absorbe brièvement les munitions ennemies, d'accord, et les transforme en munitions pour vous. Ah, ça peut être sympa, ça. Les molécules de cette roche rare sont naturellement alignées de sorte que toutes leurs balles soient orientées dans la même direction. Ok. Ça peut permettre de refaire le plein. Éventuellement, je peux continuer avec un petit peu le pistolet et quand j'aurai rechargé, je réutiliserai un peu le shotgun. Sachant que je peux absorber des munitions en étant proche des ennemis, ce qui est assez peut-être délicat en soi. Attention, l'explosif. J'ai récupéré une clé. Comme ça, je pourrais ouvrir un autre coffre. On va détruire ça par sécurité. Bonjour. Ah bah oui, il reste dedans. Ah, du coup, je suis vénère, je dois faire plus de dégâts, je crois. Je crois que je vais mettre clic droit sur recharger, en fait. Je vais mettre recharger sur le clic droit parce que, voilà, j'ai envie de faire clic droit et du coup, je fais une roulade. Ça va faire 26 touches pour recharger, mais de toute façon, je penserai à faire les skis avec le clic souris. Je. Mais de toute façon, je pourrais pas mettre 3 touches. Du coup, recharger, on va mettre clic central et clic droit. Et du coup, la roulette d'esquive, ça sera uniquement sur le bouton 5. Je confirme. Voilà, et je sais pas pourquoi, pour moi, sur ce jeu, c'est intuitif de faire clic droit
pour recharger, alors que d'habitude c'est pour viser ou des trucs tout cons. Mais vu que je me dirige constamment avec ZQSD, je me vois mal recharger. Si je recharge, je peux plus aller à droite, quoi. En gros. Parce que je vais utiliser le même doigt pour les deux. Alors que dans un FPS, on va rarement faire des pas chassés à droite pendant qu'on recharge. Ou alors juste un petit coup. On va plus s'avancer ou reculer. Et là, pour avancer et reculer, bah, c'est les 4 touches. Vu que c'est vu du dessus. Allez, on va aller à gauche du coup. Ça prend son temps pour recharger le petit objet là. Ah, les balles à blanc, je crois que ça s'utilise avec A, ça. Alors, je n'ai pas envie de tester la touche en appuyant, en gaspillant une balle à blanc, donc on va regarder vite fait. Vers la gauche. Non, mais ça va être Q. Q, utiliser balle à blanc. Ok. Faudrait que j'y pense à ça. Ah, le R minuscule. De l'armure, une clé. Putain, j'ai pas de pognon en fait. Le canon à t-shirt. Ok. On pourra repasser pour au moins. Dès qu'on aura 25, ça pourrait être intéressant de revenir pour une clé ou une armure. Ah, du coup, ouais, j'ai perdu un demi-cœur. Grenade! Ok, ça repop, une vague. Les ennemis chiants, mais là, il y a une bonne couverture pour l'instant. Mais ça ne va pas durer. Ok. On va aller par là-bas. Les petites chauves-souris kamikaze. C'est bon? Ouais, ça a l'air bon. Swift. C'est quoi ça? Une grande clé? Faut que je la détruise ou bien ça disparaît? Je l'ai eu et ça donne une clé. Ok, très bien. On a bien fait de rush. Par contre, là, on est un peu dans la merde. Ah, ou putain. Changeons d'arme. Ouah, c'est quoi cet ennemi? C'est nouveau ça. Ça y était pas dans la version de base. Parce qu'il y a eu des mises à jour depuis, j'imagine. Du coup, j'ai perdu un cœur complet maintenant. Et on a deux clés. Ok. Des balles non létales. Des balles en caoutchouc. Ah! J'aime bien me diriger sur le soin. Ah bah du coup, bah, j'ai fait le mongolo. Je suis bien resté dessus. Enfin, j'ai fait espace pour sans doute esquiver, alors que c'était pas la bonne touche. Dans un élan de panique. Ok. Je sais même pas si j'ai bien récupéré des balles avec tout ça. Il me reste 109 balles de fusil. Là, bon, on a déjà fouillé. Il nous reste le bas à faire, en fait. On va aller là. Vas-y, avance. Ok.
Je suis poursuivi par du pognon. Ah oui, je peux plus recharger avec R, c'est vrai. bon, on a deux clés, on va l'ouvrir, même si c'est un petit... Oh, de la santé! Je veux. Et là, est-ce que c'est notre fameux flingue laser? Ah non, c'est ma manivelle. Remontez là, je crois que ça fait un bruit sympathique. Ou c'est quand on recharge? Ok. Alors si je fais ça, je peux... Est-ce que ça ralentit le jeu? Je sais plus. Non. Ah, c'est si je fais ça. C'est si je fais contrôle. Voilà, on a un ralenti, on peut choisir... Avec un peu plus de... De calme, de ralenti, quoi. nos armes. Je peux aussi faire avec 1, 2 et 3, d'ailleurs. On va aller sur... l'arme à remonter. L'arme à manivelle. Vu qu'elle est full munitions. Et j'ai regagné un petit quart de cœur, ça, ça fait plaisir. Enfin, quart de cœur, un demi. là, nous avons la cheminée et les lustres à faire tomber, mais ça sert à rien. On va le faire parce que c'est rigolo. Est-ce qu'il y a un tonneau d'eau? Parce que je crois qu'il faut, on peut éteindre cette cheminée. Il faudra prêter attention à la présence d'un éventuel tonneau d'eau. Je n'en vois pas. Donc, il reste plus que cette salle. Enfin, plus que ce chemin, quoi. Ah bah. J'allais dire parce qu'après, la salle du boss, bah là, voilà. On va pas aller au marchand tout de suite. On va tenter avec 5 cœurs. Enfin, avec 5 demi-cœurs. 2 cœurs et demi. Le trône de plomb du roi Baal. Est-ce qu'ils vont... Ah! Meurs de dessin! Petite balle à blanc. Moi, je prends pas de risque, j'ai trop peu de vie. Ah, j'en ai plus. Je vais mourir. Est-ce que je peux faire tab et MTP? Peut-être pas pendant les combats. Ah bah bien. J'ai hésité à esquiver, mais j'aurais dû. Bon, on s'est fait poutrer par le premier boss. On aurait bien fait d'aller chercher des armures, finalement. Pour le premier. Le temps de s'en remettre dedans. Donc le code judé condamné dans la forteresse. On l'a fait 12 minutes 19, c'est formidable. 46 de pognon, 63 tués. Et victime du roi Baal. Ah, ça c'était un objet de début, en fait. Mais je sais plus ce qu'il fait. On va faire un retour à la brèche. On va changer de perso. Et on va jouer avec la chasseresse. On a eu 0 pognon. Qu'est-ce qu'on a comme arme avec elle déjà? Je sais plus. Ah, on a l'arbalète, je crois. L'arbalète et le flingue rouillé. Et, le petit pet qui nous trouve des... qui nous trouve des armes. Qu'il trouve des objets. J'ai dû dire des armes, je crois. Ça se bat à la ca. Ok, on va aller en bas. Un coffre, on va attendre de voir si on a d'autres clés. Je pense pas que les coffres ils peuvent se barrer, c'est juste les objets au sol, hein, il me semble. J'ai roulé en plein dessus.
Et recharge. Ah, pour une fois, j'appuie sur R. Pour changer. C'est moi ou je lui ai avec la roulade? Non, mais j'ai tiré sur le pet. Un cœur complet, merci. Ah, le problème, c'est si je le prends pas, je vais me le faire voler. Il me semble. Salut Magnolia, comment ça va? Ouh, pardon pour le coup dans le micro. Alors, peut-être que les quarts du corps. Peut-être que les demi-corps ils restent. Hein. C'est peut-être juste les armes et les munitions ou autre objet. Wouah, chaud! Il est trop nombreux! Passer loin, ça repop, enfin ça spawn. Des balles en caoutchouc. On a foutu un bon bordel dans cette pièce. Hein. J'ai failli ne pas esquiver cette balle. Ça va, tranquille. Ok, c'est quoi, c'est une porte ça? Tiens, j'ai pas vu qu'il y avait une salle en fait derrière le coffre. On va aller par là du coup. Ça a pas suffi quoi. Oh joli. Ah, c'est des munitions, n'aie pas peur. On va pas les prendre, j'ai que 5 arbalètes, ça va sans doute disparaître. Ça sert à rien de fouiller le couloir. Il y a une salle juste en dessous. Ok. Ah bah c'était le boss. On va fouiller le reste d'abord. Ah, ce n'est pas tout. Ouh, c'est quoi ça? Oh, c'est un nouveau lui. Je le connais pas. Je vous connais pas, monsieur. Putain. La portée de ce boulet. Ok, on l'a eu. Une salle à sens unique. On va aller par là-haut. On va aller en haut à gauche. Oh oh. Wouhou, bah elle est bien en plein dedans. C'est risqué, bim. En plein dans le nez. Meurs fantôme. Ok. On va surveiller si on revoit un tonneau de haut. Première vue, j'en vois pas. Ok. Oh, en voilà un.
Le problème, c'est que je vais pas pouvoir le décoincer du mur, là. Je peux pas le... Ah, à moins de... Peut-être. Ah, merde! En plus, avec tout l'eau qui en coule, de moment, il n'y en a plus. Et si je me mets comme ça, je l'arrête ou il me pousse? Je l'arrête. Ah, nickel. Ah bah non. Ah bah, il fait un rebond contre le mur, ce souci. Attends, faut que je l'arrête. Voilà. Ouais, faut que je l'arrête à chaque fois, en fait. Voilà. Je l'arrête à ce niveau-là. Il va toucher le mur. Ah non, il passe. Ah, il y avait de la santé, là. T'arrêtes-toi, là. Ok. Je pense que je peux l'arrêter genre par là. En fait non, ça sert à rien que j'aille trop, c'était cette salle là. J'ai pas besoin d'aller tout en bas. Ça va, il y a l'air d'y avoir moult litres à l'intérieur. Allez, je t'aide. Oui. Ah, fallait que j'appuie sur eux. Ok, ça a ouvert quelque chose, mais pas dans cette salle apparemment, ou pas... Pas dans la cheminée en tout cas. Bon, on refouillera tout éventuellement si on trouve rien de particulier. On va fouiller le reste, on verra bien si on voit quelque chose. Sinon, on refera les salles déjà explorées. Voir si quelque chose a changé. Ça, c'est la salle d'à côté, enfin d'où on vient. Oh, une balle à blanc. Merci. Caoutchouc. OK. Trésor, sans doute. On avait une clé, mais on avait déjà un autre coffre. Là, les deux coffres sont marrons pour l'instant. On va voir si on trouve un marchand éventuellement. Un petit point de vie. Le marchand. Est-ce que tu vends des clés? Oui. 25. Une bouchée vapeur pour 35. Une balle à blanc. On va acheter la clé puis on va prendre les deux coffres du coup. On va voir si des fois il n'y en a pas un autre. Ah bah il y a juste une salle en fait. Ah, est-ce que ça serait pas la salle secrète qu'on a peut-être trouvée avec la cheminée? Sinon on refouillera le reste. Vous avez bon goût. Et si je veux une armure, c'est 20 et 25... Un demi-cœur 20 de, et l'armure 25. Donc on va aller là-bas. Est-ce que c'était ça? Ah! Du coup, j'ai bien fait pour ouvrir les coffres parce que là, avec deux clés, j'ai accès à quelque chose. Et je ne sais pas du tout quoi. Ah, c'est un coffre bleu, il était peut-être mieux.
Est-ce que c'est à l'Isaac, genre je vais à l'étage suivant? Est-ce que je serais peut-être pas mieux de faire le boss avant d'y aller? De toute façon, après le boss, je peux toujours revenir. On sait jamais, si le boss drop une clé supplémentaire, on pourra récupérer un des coffres. Je vais gérer la connexion vite fait. Histoire de pouvoir jouer le plus longtemps possible aujourd'hui. On va aller faire le boss. En espérant que cette fois-ci on soit pas déglingué. Ouais, surtout quand du coup on n'a pas loot d'armes. On a juste l'arbalète avec 61 flèches. 61 carreaux. Oh, allez, on aura d'autres occasions de trouver une cheminée si jamais. Ça va être. Non, c'est un autre boss. Ok. Oh, c'est les jumeaux. C'est les jumeaux chiants. Les jumeaux terribles, double dose. Je le sens un peu moins celui-là. En plus, il y a des zats, quoi. Je le sens pas du tout. Bien joué. Esquivons vers la balle. Putain, je suis en place sur lui. Putain, j'esquive dessus, quoi. Et bim, en plein dedans. Voilà, c'est le dessert. Clairement. J'ai pas du tout d'armes. Un mètre, quoi, même pas. C'est raté. Bon, on saura pas ce qu'il y a là-bas. Mais on saura ce qu'il faudra maintenant. Au moins. J'ai été tué par Joyeux. Par l'un des sept nains. Et du coup, on va y aller avec le Marine. Et sa petite armure. Qui va peut-être nous aider à survivre un peu mieux. Toujours point de pognon. Ça serait bien qu'on fasse au moins le premier étage. Et déjà 2h30. T'es pas gagné. Qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai juste celle-là, ok. Ah oui, c'est ça pour recharger. Les tomates! Il y a des pics là, non? C'est le tapis. C'est le tapis qui a des motifs, c'est tout. N'aie point peur. Ah, et j'ai le Tokiwoki aussi, je crois que c'est pour faire venir des munitions. Sachant que j'ai pas d'armes. Merci pour le follow. Où est-il ce fantôme? Hop. Du coup, hop, j'ai pas vu. Ah bah j'ai pas eu de mail. Pardon. Et merci pour le follow, Cy Angelizer. Heureux, du coup. Tu vas crever. Bah oui. Comme à chaque fois. Coucou de la crotte de nez, c'est qui? Salut Avicorne. Heureux, en effet. Bienvenue pour le stream de la mort en boucle. Du coup. On va aller vers le haut. En fait, le clic central, je le fais jamais. Et j'ai tendance à faire R dans le vent. Et merci Avicorn pour le follow, bienvenue à toi. Si tu as des questions sur la chaîne, n'hésite pas. Fais-moi le prendre celle-là. Ok. Bijoule. Salut Strix. Non. SLT,
Et mon air d'host, wesh. un corps, j'ai qu'une clé. On va attendre. On attend de voir si on en a vraiment besoin. Ou si on trouve d'autres clés. T'as pas dit on l'a enlevé ici de... En fait, je sais pas. qu'est-ce que c'est que ça? Hôtel de verre, oui. Prier devant l'hôtel ou partir? Prions devant l'hôtel. Je vais avoir des os de verre, c'est ça? Cadeau de la dame de vitre, armure en verre. Ouais, j'ai des doutes là-dessus. Pierre de... De... De Guon? Oula, mais j'ai plein de choses. Pierre de Gon, je sais pas comment tu dis. Guon ou Gon, je sais pas, en verre. Alors, je joue la bagarre. Ah bah c'est ça peut-être. Bloque les projectiles mais se brise si son propriétaire est blessé. D'accord, donc j'ai trois protections supplémentaires. Cadeau de la dame de vitre. Les Gungeonies qui adressent une prière à cette déesse. Ses cervelets reçoivent en cadeau trois pierres de guion en verre. Ok, protection fugace. Bon, c'est comme trois petites armures qui font peut-être pas la balle à blanc, mais bon, qui protègent quand même. Ça va être pas dans les hôtels ni dans les ennemis, enfin dans les objets. C'est un truc à part. Équipement, armes, objets. Je pense pas que pour les hôtels il y ait des trucs et des entrées dans l'encyclopédie. Pourtant on a vu deux entrées s'afficher donc c'est peut-être bien que quelque part il y a eu quelque chose. Je ne sais pas. Du coup, j'ai une question, tu aimes les crottes de lait de Cid? Je les ai pas goûtées encore. Genre. Bon allez, je vais manger bon appétit, bonne choucroute, slash, mince, slash quoi? Slash cassoulet et autres. Oula, mais je drop, qu'est-ce qui se passe? Si elles sont pas par balle, t'es mal barré. Bah, ça sert à rien, surtout à rien. Si elle y est, je l'ai vue. Ok. Ah oui, on les voit qui... Ah, elle tourne autour de moi en fait, d'accord. Ah, donc est-ce que ça me protège dans ces côtés précis? C'est pas les grosses pretty fly de Isaac, hein, par contre. Bon, du coup, j'ai vu une balle traverser un truc de verre, mais ça l'a pas cassé, donc c'est peut-être vraiment quand ça me touche. Ah, et du coup, j'en récupère d'autres. C'est ça? Ah ouais, d'accord. Pierre de Guion. D'accord, donc j'en ai trois de base et j'en loot de temps en temps. Oh, ça peut être cool, du coup. Elle te protège des projectiles, tu peux les trouver en magasin et en avoir pas mal pour 10 shells. Ok. Ok, à nouveau la cheminée. Ah bah, ok. Le tonneau est juste là. Le tonneau d'eau. On appuie sur le bouton. Est-ce qu'elle apparaît? Ah bah oui, elle apparaît là, d'accord. En fait, tout à l'heure, on l'avait pas embarqué parce qu'elle était déjà connectée à une autre salle. Là, par contre, je drop attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pourtant, la 4G fonctionne. En fait, il va être intouchable. Ne parlons pas trop vite. Bon, je ne sais pas. Ça drop pour des raisons qui m'échappent. Des balles en caoutchouc. Laissez-moi passer. La grenade. Bah, du coup, j'ai perdu tous mes morceaux de verre en un coup. Parce que ça me protège une fois et que ça fait des dégâts à tout le monde. Du coup, plus j'en ai, mieux c'est. Je doute encore. De toute façon, j'en ai plus, je peux plus le voir. Ah non, ça bloque les projectiles et du coup, d'accord, ok. Ça bloque les projectiles si jamais bah, il y en a qui passent dans leur chemin, mais par contre, ça se brise si je me blesse, d'accord. Ok.
Ouais, ça fera tout le tour de moi. Si tu veux de l'aide, je peux t'aider. Je risque de restream dessus dans... Hein? Ah, dessus, d'accord. Dans pas longtemps aussi. Ok, et quand on le touche... Quand on le touche, ça duit la protection. Ok, d'accord. Très bien. Ça drop encore. Bon, pas des masses, mais ça drop. Grenade. Encore? Un bouquin. Il est seul? Non. Et ça va, on l'a vu venir. Ok. Ok, ok, il y a le marchand là-bas. J'ai pas mal de pognon. Moult balas blancs. Une armure pour 25, des munitions 30, demi-cœur à 20, une clé à 25. On repassera si on a besoin de quoi que ce soit. Je pense qu'on achètera des armures pour le boss finalement. Ah, je peux pas passer au travers quand je quand j'esquive. Ah bah, j'aurais pas perdu mon point de vie longtemps. Genre, je bascule l'état, YOLO. Je flip table, cherchais tout à l'heure. Ok. Ça drop encore. Ouais, ça drop à 1%. Bon, si c'est gênant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il n'y a rien d'autre qui utilise la connexion en théorie. Je suis à fond. Je vais baisser un peu la qualité, hein. Vous me direz si c'est pas dégueulasse. Sinon, on passera à, si la qualité devient vraiment pourrie. Oui, je peux entrer un nombre, bah vas-y. Ah, mais c'est parce que je suis en QWERTY, c'est ça? Si c'est vraiment dégueulasse, au pire, je ferai en 30 images par seconde. Hop. Du coup, on avait la salle secrète. Alors, est-ce que c'est exactement la même? Ou est-ce que ça change en fonction? C'est exactement la même. Bon, on essaiera d'y aller directement. On va au moins fouiller tout l'étage. Un autre coffre. Et ben, on a tout fouillé là. Donc on a juste moyen de récupérer une clé, et on va aller la chercher. Tu pourrais te mettre en envoi à 1500 ou 2500, c'est le plus opti. Bah là je suis déjà à 1300 là du coup. Pour que tout le monde puisse voir sans drop. Donc du coup je prends une clé. Et je vais me prendre une armure. Il y aurait une autre clé, j'en ai pris une pour ouvrir un coffre, mais ça vous tirera des mauvais pas. Et on va aller voir ça du coup, c'était par là. Tac. Le cas géré sur la connexion, voilà. Hop.
Donc on a bien deux clés. Je choisis. Ah ouais, c'est on passe directement à l'étage 2, ok. Et du coup, on se prive des loot du boss. Tir ordure, nouvel élément débloqué. Oubliette, chambre inconnue. Plein de succès déverrouillé. Ok, elle est pas numérotée celle-là, ok. Ah d'accord, j'ai débloqué le tir ordure, mais je l'ai pas ramassé pour autant. On a dit qu'il y avait une balle dans ce dans ce tonneau. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce tonneau, mais c'était liquide en tout cas. On dirait que ça... Enfin, alors, l'espèce de vomi a repoussé le... C'est pas une flaque d'huile, ça? Si, c'est ça, ouais. Ok, bah si c'est propre, tant mieux. Même si je vois que ça drop encore. Sinon, j'essaierai de tout reboot, au pire. Nous avons de l'eau, ici. J'aurais dû faire une balle à blanc. Bien plus tôt. Ah mais il y a un moment j'en aurais plus là. Va falloir se calmer. Ah je prends tout dans le... J'en prends plein le fion. Ah j'en ai plus là. Je vais me jeter dans le vomi. Putain mais je peux esquiver dans aucune direction. Je vais décéder. Je sais pas comment... Oh là là. Faut que je tire un moment, faut pas que je passe que mon temps à esquiver non plus. J'ai pris trop cher. Ah. Ma petite boule rouge, je me suis bien vu foncer dessus. C'est bon, y'a plus personne. J'ai plus qu'un point de vie. Je suis dans la merde. T'aimes ça, hein. Oh là, par contre, là, ça tombe à 500, laisse tomber. Ça doit être irregardable. Dans un endroit qui est pas à ton niveau, au niveau de tes armes, tu vas mourir. Non mais là, ça drop à l'infini, là. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout relancer complètement. Je vous retrouve d'ici 5-10 minutes. A tout de suite.